Bonjour, que le Seigneur te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu qui t'aime te bénisse aujourd'hui. Aujourd'hui, j'accorde de vous parler sur le sujet de la guérison. J'accorde de te parler sur le sujet de la guérison parce que c'est la volonté de Dieu de te guérir. Dieu veut que tu te confies en lui pour ta guérison. Si tu as besoin de guérison, Dieu veut te guérir. Et Dieu te dit de lui faire confiance. Dieu te dit d'ouvrir ton cœur et te lui demander la guérison. Demande au Seigneur, demande à Dieu de te guérir et Dieu te guérira. C'est la volonté de Dieu de te guérir. Dieu est là pour te guérir. C'est le Dieu de guérison et il est puissant pour guérir. Il a toute la puissance et le pouvoir pour te guérir. Lui qui a créé ton corps, n'aurait-il pas le pouvoir de te guérir ton corps? Lui qui a créé ton corps, qui l'a fait, qui connaît tout le mécanisme de ton corps, qui connaît ton organisme parfaitement, qui connaît exactement comment tu as été formé, comment tu es formé, et lui qui connaît toutes choses de ton corps, lui qui voit tout, qui discerne tout, peu importe ton problème, le Seigneur a le pouvoir de te guérir. Il a compassion de toi, il t'aime et il veut te guérir et il est là pour te guérir. En Jésus-Christ, il y a la guérison de tes malades. Dieu guérit de toute maladie. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est l'Éternel des armées. C'est le Dieu Tout-Puissant. Rien n'est impossible à lui. Lui qui a créé le corps humain, il a toute la puissance et toute l'intelligence et toute la sagesse pour guérir le corps humain. Et c'est pas seulement le corps humain que Dieu guérit. C'est pas seulement le corps humain qui a besoin de guérison, mais aussi ton âme et ton esprit. Ton âme et ton esprit peuvent avoir besoin de guérison et Dieu est là pour te guérir. Pour te guérir tout entier, esprit, âme et corps. Tu es un être fait de trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Et tu as besoin de guérison. Oui, nous avons besoin de guérison, nous les hommes. Nous avons besoin de guérison. Sur la terre, on a subi toutes sortes de traumatismes. On a vécu des moments difficiles et on a été blessés. On a été blessé dans nos cœurs, blessé au niveau de nos émotions, blessé au niveau sentimental. On a été blessé, on a été meurtri, on a besoin de guérison. Et Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est ça que Jésus a dit. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour annoncer une année de délivrance du Seigneur. Mais en particulier, il a parlé de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, le Seigneur Jésus est venu pour guérir l'esprit de l'homme, pour guérir l'âme de l'homme, pour guérir le corps de l'homme. Jésus guérit de tout, notre Dieu guérit de tout. Il guérit tes maladies, comme aussi il guérit les infirmités, comme aussi il guérit de la stérilité, il guérit l'infertilité. Il y a certaines personnes, certaines femmes, certains hommes, pour être stériles, il y aura besoin d'être guéri pour pouvoir enfanter. Pour être fécond et avoir tes enfants parce que c'était la volonté de Dieu qu'on ait tes enfants. Et c'est pas la volonté de Dieu que qui se soit parmi ses enfants soit stérile. Mais si quelqu'un est stérile, Dieu veut guérir cette personne selon ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Et même, on sait que Abraham, par exemple, la femme d'Abraham était stérile. La femme d'Abraham était stérile. Elle était dans l'incapacité de donner un enfant à son mari. Et ils avaient voulu avoir un enfant, et c'est normal de désirer d'avoir un enfant. Et ils avaient cherché à avoir un enfant, mais ils étaient dans l'impossibilité, ils étaient dans l'incapacité de féconder, d'avoir des enfants de façon naturelle. Et ils se sont confiés en l'Éternel des armées. Ils se sont confiés en Dieu, ils ont prié Dieu. Et Abraham a eu confiance en Dieu. Abraham a eu confiance en Dieu, et le Seigneur a rendu sa femme capable d'enfanter. Et ils ont enfanté des enfants. Béni soit l'Éternel, c'était par la puissance de Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'a fait. Dieu, c'est le Dieu de guérison. Il guérit l'esprit, l'âme et le corps. Il nous guérit à tous les points de vue. Béni soit l'Éternel, il nous restaure. Ce qui ne fonctionne pas bien en nous, il est capable de restaurer ça. Il est capable de guérir. Béni soit l'Éternel, peu importe le trouble, peu importe le problème, Dieu veut guérir et seulement Dieu veut que on ait confiance en lui, qu'on lui demande aussi. Il ne faut pas rester la bouche fermée, mais il faut lui demander. Il faut adresser à Dieu tes prières, tes supplications. Il faut adresser à Dieu nos prières et nos supplications. Il faut l'implorer. Et il faut croire que c'est sa volonté et lui dire, Seigneur, c'est ta volonté. Et il faut lui rappeler ses promesses et plaider avec Dieu. Béni soit l'Éternel, Dieu dit de plaider avec lui.
te lui demander et te dire Seigneur, tu l'as promis. Te dire Seigneur, tu l'as promis, c'est important de bien plaider notre cause devant Dieu avec la parole de Dieu sur la bouche et te dire Seigneur, tu as promis. Seigneur, voici ce qui est écrit. Voici ta promesse. Voici ce que m'enseignent les saintes écritures. Voici ce que m'ont dit, ce que tu m'as dit à travers tes apôtres et tes prophètes dans la Bible, Seigneur. Et de lui dire, Seigneur, tu guérissais les malades. Seigneur, tu l'as fait pour Abraham. Tu l'as fait pour Abraham. Si tu l'as fait pour Abraham, Seigneur, oh Dieu, je crois que tu veux le faire pour moi aussi. Parce que, Seigneur, et tes yeux, moi aussi, je suis ton enfant. Et je crois en toi. J'ai foi en toi. Tout toi qui as fait pour Abraham, qui a rendu sa femme féconde, Seigneur, tu veux pour moi aussi, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu ne fais pas de favoritisme. Tu ne fais pas de favoritisme. Tu es puissant pour guérir et te dire, Seigneur, tu l'as fait pour Abraham, fais aussi pour moi, mon Dieu, j'ai confiance en toi, j'ai la foi comme Abraham, mon Dieu. Seigneur, et tes yeux, toi qui as rendu la mère de Samuel, la mère de Samuel, qui s'appelait, s'il m'appelle bien, elle s'appelait Anne, toi qui l'as rendu féconde, capable d'enfanter, elle était stérile, elle était infertile. Seigneur, elle avait essayé d'avoir tes enfants. Et Seigneur, était mon Dieu, t'avais pleuré. Elle avait pleuré devant toi, Seigneur Dieu. Elle avait versé tes larmes devant toi, Seigneur, était mon Dieu. Et Seigneur, était Dieu, tu as eu compassion d'elle. Seigneur, était Dieu, ton cœur était plein de compassion. Très sensible à son égard, mon Dieu. Tu as vu sa peine. Tu as vu son humiliation. Tu as vu, Père, était Dieu, comment, Seigneur, sa rivale se moquait d'elle. Seigneur, oh Dieu, tu as eu compassion d'elle, Seigneur Dieu. Et Seigneur, et Jésus a écouté sa prière, et tu lui as donné un enfant, donne-moi aussi un enfant, Seigneur, oh Dieu. Si on plaît, notre cause est devant Dieu comme ça, certainement Dieu nous écoutera. Certainement Dieu nous écoutera, c'est sa parole. Béni soit l'Éternel, il faut aller à Dieu avec sa parole dans la bouche. Il faut aller à Dieu avec sa parole. Il faut aller à Dieu et plaider notre cause et dire, Seigneur, il est écrit. Béni soit l'Éternel. Si Seigneur lui dire, Seigneur, tu as promis. Béni soit l'Éternel, de dire, Seigneur, j'ai confiance en toi, je crois en toi, je mets mon espérance en toi, Seigneur et tes yeux. Et Seigneur et tel mon Dieu, je persévère à te demander. Et Seigneur et tes yeux, je persiste. Et Seigneur, je sais que tu m'écoutes. Et je sais que tu m'exauces, Seigneur, et je m'attends, Seigneur et tes yeux, à ce que ça se manifeste, ça s'accomplisse, Seigneur et tes yeux. Je m'attends, Seigneur et tes yeux, et je l'ai reçu déjà par la foi, parce que la Bible m'a dit, quand je te demande, te crois que j'ai reçu et que je le verrai s'accomplir. Béni soit l'Éternel. Mon Dieu, j'ai confiance en toi, tu es le Dieu Tout-Puissant, rien n'est impossible à toi. Et te donner honneur et louange au Seigneur, te lui donner honneur et louange, et te lui parler de sa grandeur, de sa puissance, de sa magnificence, et te lui parler des prodiges d'autrefois, des prodiges qu'il a fait autrefois, des miracles qu'il a fait, de lui parler de sa création, que c'est lui qui a créé toutes choses, et te lui dire, Seigneur, je crois que tu as tout fait, mon Dieu, et j'ai confiance en toi, Seigneur éternel, mon Dieu, toi qui as créé les cieux et la terre, tu as créé les hommes, les animaux, regarde ton intelligence, oh, regarde comment mon Dieu est intelligent, regarde comment mon Dieu est grand, il a créé les cieux, il a créé les étoiles, et tout ça, c'est lui qui garde en place, mon Dieu qui a fait tout ça, ne serait-il pas capable de me guérir d'une petite maladie comme le cancer, d'une petite maladie comme le sida, d'une petite maladie comme l'hépatite B, comme l'hépatite C. Le Seigneur ne serait-il pas capable de me guérir aussi de la paralysie cérébrale? Le Seigneur ne serait-il pas capable de me guérir du diabète? Le Seigneur ne serait-il pas capable de me guérir de mon infirmité? Certainement, mon Dieu est capable. Dieu puissant, Dieu fort, lui qui va ressusciter les morts, lui qui pourra te ressusciter les morts, lui qui a créé les cieux et la terre. Par son pouvoir, il a prononcé la parole et la chose s'est accomplie. J'ai confiance en mon Dieu. J'ai toute raison de lui faire confiance et je vais béni soit l'Éternel. Je vais attendre l'accomplissement de la promesse. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Je crois que la promesse va s'accomplir, même si ça prend du temps. Je ne vais pas me lasser. Je ne vais pas désespérer. Non. Par question de désespérer, je vais faire confiance à mon Dieu. Je vais garder confiance et par question de me décourager, par question de désespérer et par question d'être frustré non plus. Au nom de Jésus, le diable va très loin de moi, toi qui voudrais me frustrer, toi qui voudrais me décourager, toi qui voudrais mettre l'amertume dans mon cœur. Va-t'en, au nom de Jésus, va-t'en, toi, esprit incrédule. Je ne suis pas comme toi, je ne suis pas un incrédule, j'ai confiance en Dieu. Je crois, je suis un croyant. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel,
Béni soit l'Éternel. Dans Exode chapitre 15, verset 26, Dieu n'a-t-il pas dit, je suis l'Éternel qui te guérit? Dans Exode chapitre 15, verset 26, l'Éternel a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Il le disait au peuple d'Israël. Et maintenant, rappelle-toi que toi qui es en alliance avec Dieu en Jésus-Christ, l'alliance scellée par le sang, verset Jésus, le Fils de Dieu lui-même. Jésus qui était le Fils de Dieu lui-même. Jésus, le Fils de Dieu, le Messie de Dieu. Béni soit l'Éternel. Nous avons une alliance meilleure que l'alliance qu'Abraham a avec Dieu. Et en même temps aussi, on a l'alliance avec Abraham. Parce que nous sommes, par la foi, nous sommes des héritiers d'Abraham. Dieu l'a dit, c'est écrit dans la Bible. Béni soit l'Éternel. Et nous avons maintenant une meilleure alliance, l'alliance scellée par le sang de Jésus, par lequel même nous sommes tenus des enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses brebis, oui, mais plus encore, bien mieux encore, nous sommes ses enfants, ses propres enfants, ses enfants chéris. Et Dieu, c'est un bon père, c'est un bon papa, nous sommes ses enfants. Et regardez sur la terre, vous allez regarder sur la terre et voyez les pères, les bons pères, comment ils sont sensibles pour leurs enfants, ils sont sensibles pour leur progéniture, ils sont sensibles pour leurs fils et leurs filles. Béni soit l'Éternel pour leurs petits bébés. Regardez comment ils prennent soin de leurs enfants. Ils veulent que leurs enfants soient en bonne santé. Et ils font tout. Lorsque l'enfant est malade, ils font tout pour guérir l'enfant. Ils lui donnent des médicaments. Ils soignent leur enfant. Et ils sont là. Ils mettent des compresses et tout sur la tête. Béni soit l'Éternel. Ils font tout pour soigner leur enfant, pour que leur enfant guérisse. Ils veulent que leur enfant soit en bonne santé. Et ils sont prêts. Ils sont prêts à faire n'importe quoi. À dépenser n'importe quel montant d'argent qu'il faut. À l'amener l'enfant chez le médecin. À faire tout ce qu'ils savent faire. Ils mettent tout en leur pouvoir pour que leur enfant guérisse, pour aider leur enfant, pour secourir leur enfant. Ils sont pleins de compassion. Et bien Dieu, notre Père, c'est un Père parfait. Il est un bien meilleur Père que l'être humain, que nos pères parmi les hommes. C'est le Père parfait. Béni soit l'Éternel, et il est l'Éternel qui nous guérit, selon ce qu'il a dit dans Exode chapitre 15, verset 26. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à l'Éternel. Aussi, Dieu nous promet une longue vie. On sait que maintenant, on vivra pas pour toujours sur la terre. On vivra pas pour toujours dans le corps qu'on a maintenant, ce corps très cher, ce corps mortel. C'est un corps mortel, on le sait très bien. On le sait très bien. Et Dieu a dit que Dieu a raccourci les jours de l'homme sur la terre. Il a dit que leurs jours seront de 120 ans. C'est ça que Dieu a dit dans Genèse. Il a dit, les années de votre vie seront de 120 ans. Donc Dieu, au début, les hommes vivaient plus longtemps que ça. Dieu a raccourci. Mais maintenant, on peut dire, Seigneur éternel, mon Dieu, je veux vivre longtemps sur la terre. Et Seigneur éternel, je ne veux pas mourir dans la jeunesse. Seigneur éternel, je veux vivre longtemps sur la terre. Sois promis, Seigneur éternel, je vais te maintenir une longue vie. Oui, Seigneur, je sais que tu me donnes la vie éternelle. Et quand je quitte mon corps et le corps tombe et la mort physique vient, je m'en vais au ciel, je vais aller au ciel. Et Seigneur éternel, je n'aurai rien à regretter. Mais maintenant, Seigneur éternel, pendant les jours de ma vie sur la terre, je veux vivre en santé. Je veux vivre en santé. Je ne veux pas avoir le corps rempli de maladies, rempli d'infirmités. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et on peut dire, Seigneur éternel, mon Dieu, je veux une longue vie. Parce que tu as promis une longue vie. Tu as promis une longue vie. Je veux, Seigneur éternel, mon Dieu, que Seigneur éternel, j'ai une longue vie sur cette terre, mon Dieu. Au nom de Jésus. Et Seigneur éternel, mon Dieu, tu vois la maladie qui vient pour me détruire, pour me faire dépérir. Et Seigneur éternel, pour me faire mourir avant mon temps. Seigneur éternel, détruis cette maladie. Et mon Dieu, guéris-moi. Seigneur éternel, mon Dieu, Seigneur au Dieu, au nom de Jésus, je veux une longue vie. Car c'est la volonté de Dieu qu'on vive longtemps sur la terre. Et on a toutes sortes de choses à faire. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Il y a tes voisins qui ont besoin qu'on leur parle de Jésus, qu'on leur témoigne de Jésus, qu'on les évangélise. Béni soit l'Éternel. Et Dieu a besoin d'être intercesseur sur la terre. Dieu a besoin qu'on intercède. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu, on veut apprendre, on veut comprendre, on veut grandir en connaissance, en sagesse, en discernement. On veut prendre la maturité spirituelle, béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu, merci Seigneur. On veut servir le Seigneur sur la terre. Gloire à Dieu, on veut vivre une vie pleine et entière sur la terre, une vie pleine et entière, béni soit l'Éternel. Et on ne veut pas être malade, on ne veut pas être couché dans un lit, béni soit l'Éternel. On ne veut pas que tes maladies viennent et nous mettent à terre. Et qu'on meurt dans la jeunesse. On veut vivre longtemps sur la terre. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Si la maladie vient, et la maladie c'est un ennemi, on doit combattre la maladie. On doit résister à la maladie. On doit dire non à la maladie. On doit résister à la maladie par la prière.
On t'a résisté à la maladie par la prière, béni soit l'Éternel. On t'a résisté par la parole de notre bouche, par la confession de notre bouche. Et dire au nom de Jésus, je vivrai et je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Au nom de Jésus, que cette maladie soit détruite, je prends ma guérison. Je reçois la guérison. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, merci Seigneur, béni soit l'Éternel. Dieu a dit dans Genèse chapitre, dans Exode chapitre 23, versets 25 et 26, Dieu a dit qu'il va éloigner. Il a dit, je vais éloigner la maladie du milieu de vous et le nombre de tes jours, je remplirai. Dieu a promis d'éloigner la maladie du milieu de nous, son peuple, du milieu de nous, ses brebis, du milieu de nous, son église, du milieu de nous. Nous, les enfants de Dieu, on n'a pas à être malades, mais Dieu éloigne la maladie du milieu de nous et Dieu remplit nos jours, c'est-à-dire Dieu, les jours que Dieu nous a appelés à vivre sur la terre, Dieu remplit ces jours-là. Nos vies n'ont pas à être raccourcies par la maladie. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. On a le droit de guérir. Béni soit l'Éternel. Si le cancer vient, on doit résister au cancer et dire, au nom de Jésus, je guérirai de ce cancer. Et prier au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Mettre la parole de Dieu dans nos bouches et remplir nos cœurs de la parole de Dieu. Recevoir les enseignements sur la guérison pour renforcer notre foi. Et pour béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. La parole de Dieu aussi, c'est une médecine, c'est pour notre chair. C'est une médecine pour notre corps. Béni soit l'Éternel, comme la Bible dit, Dieu a promis d'éloigner toute maladie du milieu de nous. Et il a dit qu'il ne nous enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui nous sont connues. Dans Deutéronome chapitre 7, verset 15, Dieu nous a promis ça. Il a dit, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui vous sont connues. Dans Deutéronome chapitre 7, verset 15, Dieu a promis d'être bon avec nous. Il a dit qu'il multipliera et prolongera nos jours. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Dieu a dit qu'il a tourné la malédiction en bénédiction pour nous parce qu'il nous a aimés. Alléluia. Dans Deutéronome chapitre 23, verset 5, et dans Néhémie chapitre 13, verset 2, Dieu n'a-t-il pas dit qu'il nous a rachetés de toute maladie et de toute plaie? Il nous a rachetés de ces choses par le sang précieux de Jésus. Jésus est mort à la croix pour ça. Jésus est mort, béni soit l'Éternel. Il est mort, il s'est offert lui-même en sacrifice. Et par cela, Dieu nous a rachetés de la malédiction, de la maladie. Mais la maladie, c'est une mauvaise chose, c'est une malédiction, c'est une chose mauvaise. Et on a été rachetés de cela. Pourquoi est-ce qu'on devrait laisser la maladie venir nous envahir? Pourquoi est-ce qu'on devrait laisser la maladie nous détruire? C'est la maladie d'être détruite, peu importe le nom de la maladie. Et peu importe comment résister la maladie, parce que la maladie va résister. Mais on doit se lever comme tes guerriers pour combattre la maladie. C'est une guerre. C'est un ennemi, la maladie. C'est un ennemi. Et peu importe ce qui cause la maladie, on doit s'élever contre ça, que ce soit tes virus. Parfois, c'est une maladie causée par tes virus. Parfois, c'est un virus. Parfois, c'est une bactérie. Virus, par exemple, le virus du sida. Il y a des bactéries. Il y a toutes sortes de bactéries qui causent des maladies. On le sait très bien. Par exemple, la tuberculose est une petite chose invisible qui cause la tuberculose. Il y a des maladies qui sont causées par des virus, par des bactéries. Il y a des fois, c'est un dérèglement dans le corps comme un cancer, une dégénérescence, une dégénération qui survient, peu importe. Mais peu importe, par la parole de Dieu, par la foi, par l'Esprit de l'Éternel, on résiste à la maladie. Par la prière, on résiste à la maladie. On combat notre ennemi, la maladie. Si c'est un démon, on combat le démon par la parole de Dieu, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, on confesse la parole de Dieu, on prie au Seigneur. Au nom de Jésus, on prend l'épître, la parole de Dieu, l'épée. La parole de Dieu, c'est une épée tranchante à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Béni soit l'Éternel, la parole de Dieu est puissante. On met la parole de Dieu dans notre bouche, béni soit l'Éternel, et on a rempli nos entrailles, on remplit nos cœurs de la parole de Dieu, on remplit nos pensées, nos âmes de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu combat l'ennemi de nos âmes, la parole de Dieu combat le cancer, et la parole de Dieu combat les esprits aussi. Béni soit l'Éternel, peu importe ce qui vient, on détruit la chose par la parole de Dieu, par les armes spirituelles que Dieu nous a données. Gloire au Seigneur, alléluia, merci Jésus, gloire au Seigneur, c'est Dieu qui nous purifie, le sang de Jésus nous purifie. Béni soit l'Éternel, le sang de Jésus nous purifie. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel, on proclame que le sang de Jésus nous purifie. Gloire au Seigneur. Et on va à Dieu, on demande au Seigneur le pardon des péchés, parce que parfois ça peut être à cause d'un péché. On dit, Seigneur, on ferme la porte. Pardonne-moi, Seigneur, si c'est à cause du péché, pardonne-moi.
Peu importe la cause, pardonne-moi, Seigneur. Et on proclame notre rétention par le sang de Jésus. On proclame le pardon de nos péchés par le sang de Jésus. On proclame être justifié, sanctifié à cause du sacrifice expiatoire de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Béni soit l'Éternel. Dieu nous a dit qu'il nous a rachetés de toute malédiction. De toute malédiction et de toute plaie. Gloire au Seigneur. Dans Deutéronome chapitre 28. Dieu nous dit cela. Alléluia. Et dans Galates chapitre 3 verset 13. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu nous a promis de nous bénir avec la force. Alléluia. De nous donner la force et de nous bénir avec la paix. Dieu a dit qu'il préservera nos vies et nous gardera en vie. Dans psaume 41, verset 2, alléluia, il a dit qu'il est la santé de notre visage et il est notre Dieu. Dans psaume 43, verset 5, béni soit l'Éternel. Dans le psaume 91, il a dit que la peste ne s'approchera pas de nous. La peste ne s'approchera pas de nous. Dans psaume 91, alléluia, Dieu a dit qu'il va nous satisfaire avec une longue vie. Dans le psaume 91, il a promis de nous satisfaire avec une longue vie. Alléluia, gloire à l'Éternel. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel, il a dit qu'il est l'Éternel qui nous guérit de toute maladie. Dans psaume 103, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Dieu a dit qu'il a envoyé sa parole et il nous guérit et nous préserve de toute destruction. Dans psaume 107, verset 20, béni soit l'Éternel. On doit dire comme le psalmiste, dans le psaume 118, je ne mourrai pas, je vivrai et je déclarerai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai, je déclarerai les œuvres de l'Éternel. Gloire au Seigneur, merci Seigneur, béni soit l'Éternel. Dieu est celui qui nous guérit, il est celui qui guérit le cœur brisé et qui panse nos plaies. Dieu est celui qui guérit nos cœurs brisés et c'est lui qui panse nos plaies. Alléluia, il nous guérit de toute maladie. Il nous guérit, béni soit l'Éternel, de la dépression. On n'a pas à être dépressif. Alléluia, gloire au Seigneur, Dieu nous remplit de joie. Dieu nous donne du courage, Dieu console nos cœurs. Il console les cœurs brisés. Il console tes peines et du chagrin et de l'amertume. Il enlève l'amertume. L'amertume, il nous débarrasse de l'amertume. Il nous guérit. Béni soit l'Éternel. Il nous console. Il est celui qui est venu pour te consoler, mon frère. Il est celui qui est venu pour te consoler, ma soeur. Sois consolé. Reçois la consolation de ton Dieu. Reçois la consolation de ton Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Dans Ésaïe chapitre 52. À propos de Jésus et à propos de ce qu'il a fait pour nous, voici ce qui est écrit, Jésus. Et cela, ça a été écrit à peu près 700 ans avant que la chose s'accomplisse. Et Dieu avait déjà prononcé. Et ce que Dieu dit, c'est la vérité et ça s'accomplit toujours. C'est la parole de Dieu qui est permanente, la parole de Dieu qui est éternelle, qui demeure toujours. Et il est écrit à propos de Jésus et tout ce qu'il est pour nous et tout ce qu'il a fait pour nous. Il est écrit, voici dans Ésaïe chapitre 52, à partir du verset 13, il est écrit, Dieu a dit, voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet très froid, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui de tes fils et de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie, devant lui tes rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, et ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Jésus, lorsqu'il est né dans le monde, parce que Jésus c'est Dieu, il a pris la forme d'un homme, d'un petit bébé dans le ventre de sa mère, et il est né un beau petit garçon, je crois. Il n'était pas né défiguré, hein. Il n'était pas né avec un visage défiguré, laid. Non, c'est un homme parfait. Jésus est un homme parfait, il n'avait aucune maladie en lui, il n'avait aucune difformité. Et il était un homme parfait, il n'avait même pas de péché en lui. Il n'a pas de péché ni dans son corps, ni dans son âme, ni dans son esprit, ni dans sa pensée. Il était un homme parfait. Et cependant, la Bible dit qu'il était défiguré. La Bible dit qu'il était défiguré, son visage était devenu laid, mais sa cause était courte. C'est lorsque, à la fin de sa vie, après qu'il a vécu 33 ans et demi sur la terre, et il s'est laissé prendre par les soldats romains, et par les pharisiens, par les sacrificateurs hypocrites qu'il avait rejetés, il a permis que ces méchants mettent la main sur lui, et ils l'ont frappé, ils l'ont blessé, ils lui ont arraché la barbe, ils lui ont traité des coups de poing au visage, ils l'ont soufflé,
Et ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête qui a fait enfler sa tête. Et son visage était tuméfié. Il avait été, parce qu'il y a eu des coups de poing, et sa bouche était pétée. Comme on peut dire, à cause de tes coups de poing, et il ne s'est pas défendu, hein? Il ne s'est pas protégé. Il aurait pu se protéger, il aurait pu se défendre. Il avait la puissance et le pouvoir. Juste par une parole de sa bouche, il aurait pu renverser tous ses méchants et les jeter raides, morts à terre. Mais il n'était pas venu pour combattre nous les hommes. Il n'était pas venu pour nous combattre. Il n'était pas venu pour nous faire la guerre. Il était venu pour nous sauver. Et Jésus a permis que ces méchants le frappent. Il a permis qu'on lui fasse toutes sortes de méchanceté et de malhonnêteté. Il a été insulté, méprisé. Il ne s'est pas défendu. Il n'a pas plaidé sa propre cause. Il s'est pas, il est demeuré là. Les anges de Dieu ne sont pas venus pour combattre pour lui parce que ce n'était pas la volonté de Dieu que les anges à combattre pour leur roi, pour leur Seigneur. Et c'est pour ça que son visage était différé des fils de l'homme à côté coup, à cause de tous les outrages que les méchants hommes lui ont fait. Donc il était défiguré et son visage était tellement tuméfié, tellement sa tête était enflée et il ressemblait à côté de cela à un genre de monstre. Il était défiguré et c'est par amour qu'il acceptait tout ça. C'est par amour. Et dans Isaïe chapitre 53, à partir du verset 1, il dit qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. C'est-à-dire, est-ce qu'on a reconnu que c'est tout ça, c'est à cause, c'était la volonté de Dieu et c'est Dieu qui a voulu cela pour notre délivrance? Est-ce qu'on comprend ce qui se passe? Est-ce qu'on comprend ce qui se passe? Est-ce qu'on reconnaît que ce que Jésus a fait là, ce qui est arrivé, c'est pour notre délivrance, c'est pas qu'il méritait ça? Est-ce qu'on comprend ce qui se passe? C'est le Sauveur qui est venu nous sauver. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Ça, c'était la seule façon pour nous d'être sauvés. Il fallait qu'un innocent paie pour nous, qu'il subisse les châtiments qu'on méritait, nous les hommes. Qu'il prenne notre place, être coupable. Lui qui était innocent, qui était sans péché. Il n'avait jamais rien fait de mal, jamais péché, jamais commis une iniquité, jamais rien fait de mal, jamais une mauvaise pensée, jamais péché. Le diable était venu pour le tenter. Le diable a essayé Père, de le séduire. Devant le trône de le ta diable, grâce, on le sait, dans le nom de Jésus. Père éternel, je me présente lorsque Jésus le fut conduit dans le désert. Il a été tenté par le diable qui m'a dit, lui a dit, si tu es le fils de Dieu, autant que ces pierres deviennent du pain. Papa, parce qu'il est écrit, en tout cas, vous connaissez la chose, le diable a essayé de l'amener à se soumettre au diable, de l'amener à adorer le diable et de l'amener à faire des choses qui auraient été péché contre la loi de Dieu, péché à l'égard de Dieu. Le diable a même voulu qu'il se prosterne, que lui, Jésus, se prosterne devant le diable. Il a tort, disant, si tu te prosternes et m'adores, alors je te donnerai tous les royaumes de la terre, parce que ces royaumes ont été donnés. Donc, il voulait que Jésus pêche en adorant, parce que Jésus s'était fait homme. Il voulait que Jésus se prosterne devant lui, l'adore, lui donne son allégeance et se soumette à lui, le diable. Et dit, le diable, si tu me donnes cela, eh bien, je vais te servir, je vais t'honorer, je vais te glorifier, tu deviens mon Dieu. Et ça, c'est péché. Mais Jésus ne s'est jamais laissé prendre au piège. Il n'a jamais péché, il avait toujours résisté au diable. Et ce n'était pas la seule fois qu'il avait été tenté. Mais à chaque fois, il a résisté au malin. Il ne s'est pas laissé séduire. Il n'a jamais tombé dans le péché, jamais commis d'iniquité. Souvent l'homme notre prochain nous tente. Il nous dit de faire des choses mauvaises. Mais Jésus ne s'est jamais laissé influencer pour pécher. Béni soit l'Éternel, il a résisté. Gloire à l'Éternel jusqu'au dernier moment. Il n'a jamais péché. Le diable n'a rien trouvé de lui, de mal en lui. Et c'est pour ça que son sang était pur. Et c'est pour ça qu'il était digne de s'offrir lui-même en sacrifice. Et le sacrifice était agréable et acceptable aux yeux de Dieu. C'est acceptable selon la loi de l'Éternel, selon la parole de Dieu. Et c'est pour ça que maintenant, on peut être pardonné parce qu'un innocent a pris notre place. Et le diable doit fermer sa bouche. Et tout le monde doit fermer leur bouche. Parce que c'est acceptable, c'est juste. Gloire à Dieu, lorsque Dieu nous pardonne, c'est tout à fait juste. Béni soit l'Éternel, et la vie de Jésus vaut bien notre vie. C'est lui le Fils de Dieu, c'est lui le même. C'est lui le Créateur. Et le Créateur, c'est offert en sacrifice pour sa créature. Alléluia, gloire à l'Éternel. Béni soit l'Éternel, par cet acte de justice, nous sommes justifiés. Gloire à l'Éternel. Merci Jésus. C'est pour ça qu'il est écrit, qui a cru à ce qui nous est annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel.
Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné des hommes, voyez-vous? Il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. C'est semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons éteigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Il est un homme de douleur et habitué à la souffrance. Il a été douleur et souffrance dans sa vie. Pas tes douleurs pour causer ta maladie ou pour causer ta infirmité. Et que c'était à la fin de sa vie, lorsqu'il a été livré entre les mains de tes soldats, il a été frappé, il a eu des douleurs, bien sûr, dans son corps à côté, coups, bien sûr, et à cause des clous dans ses mains, on a cloué ses mains, on l'a mis sur une croix, bien sûr. Mais dans sa vie, pendant les 33 ans, avant ça, il a eu des douleurs d'être rejeté, méprisé, il a été abandonné des hommes, des gens l'ont insulté, ils n'ont pas eu confiance en lui, et certainement il s'est fait insulter dans sa vie. Comme nous, il nous arrive d'être insultés. Ça fait mal d'être insulté. Il nous arrive d'être humilié par notre prochain. Et bien certainement, il y a eu des méchants qui ont parlé en mal de lui. Les pharisiens l'ont fait. Les pharisiens ont tendu des pièges au Seigneur. Ils l'ont insulté, ils l'ont injurié, ils l'ont calomnié. Ils ont même dit qu'ils chassaient les démons par Béelzébul, le prince des démons. Et ils ont dit, celui-là, on ne sait même pas d'où il vient parce qu'on sait que Jésus est né d'une naissance inhabituelle. Et certainement, il y a des hommes qui ont parlé de lui, disant peut-être, c'est un bâtard, on ne sait même pas tout, on ne sait même pas d'où il vient celui-là, on ne sait même pas qui est son père, et on sait comment les hommes sont méchants. Et Jésus a eu des souffrances à cause de cela. Béni soit l'Éternel, mais il n'a jamais rendu le mal pour le mal. Il n'a jamais rendu le mal pour le mal. Il a eu des souffrances sur la terre. Il était un homme de... C'est pour ça qu'il comprend nos souffrances à nous, parce qu'il était un homme, un vrai homme, et il a traversé des choses difficiles. Mais il n'a jamais péché, béni soit l'Éternel. Il n'a jamais péché, il ne s'est jamais souillé de quelque façon que ce soit, ni sexuellement, ni par les paroles de sa bouche, ou par quelque façon que ce soit. Il était pur, il était sans tache, il était sans péché. Il n'a rien fait de mal, jamais péché contre Marie ou Joseph, jamais péché contre ses frères et sœurs, parce que Jésus avait été frère et sœur. Il n'a jamais péché contre qui que ce soit, contre ses voisins. C'était... L'homme parfait, béni soit l'Éternel. Il était méprisé, abandonné des hommes. Il était un homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons éteigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. La Bible dit que les souffrances qu'il a endurées à la croix, c'est nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et ils nous l'ont considéré comme puni, frappé, traîné, humilié, mais il était blessé pour... Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses blessures, c'est par ses meurtrissures, c'est par les lacérations qu'il a subies, c'est par les blessures causées par les clous dans ses mains et dans ses pieds. Ça nous apporte la guérison. Il a pris nos maladies pour nous en décharger, pour nous décharger des maladies. Pourquoi est-ce qu'on doit être encore malade alors que Jésus a pris nos maladies? Pourquoi est-ce qu'on devrait être encore malade et parcouru, que nos cœurs soient parcourus de douleurs causées par tes virus et tes bactéries, ou bien tes démons, ou bien par la sorcellerie exercée contre nous, ou par la magie exercée contre nous, ou bien par le vautour que quelqu'un exercerait contre nous? Le vautour n'a pas de pouvoir, ça peut pas réussir. Au nom de Jésus, et les bactéries qui peuvent être entrées, ils doivent être exterminées. Ils n'ont pas le droit d'être en nous. Ils n'ont pas le droit de nous faire souffrir parce que Jésus a pris nos souffrances. Gloire à l'Éternel, béni soit l'Éternel, on doit résister et contester et protester contre ces choses, bactéries, virus, cancers, démons, peu importe ce que c'est, au nom de Jésus, des attaques de sorcellerie, béni soit l'Éternel, tout ça, ça doit être exterminé, béni soit l'Éternel. Si un homme pêche contre nous, par exemple en faisant de la sorcellerie, on pardonne l'homme notre prochain, on ne cherche pas à détruire notre prochain. Mais on cherche à détruire la puissante sorcellerie. On cherche à détruire l'arme de sorcellerie. On cherche à détruire les démons qui sont derrière tout ça. Et peu importe ce que c'est, l'empoisonnement, au nom de Jésus, ça ne réussira pas. Et Dieu nous en purifie, Dieu nous nettoie. Nettoie nos systèmes. Béni soit l'Éternel. Si on a été empoisonné aussi, Seigneur, nettoie mon système. Purifie mon système, Seigneur oh Dieu. Purifie mon système, mon corps, mon sang. Purifie-moi, Seigneur et tes yeux.
Au nom de Jésus, purifie-moi, nettoie-moi, Seigneur, oh Dieu, par le sang de Jésus. Nettoie-moi, Seigneur et tes yeux, et brûle, Seigneur et tes yeux, toute chose mauvaise en moi, toute impureté, Seigneur et tes yeux, qui est entrée dans mon système, qui est entrée dans mon corps, Seigneur et tes yeux, qui me cause tes maladies, oh Dieu, au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, parce qu'il est écrit, il est écrit que, méprisé, abandonné tes hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait lui aucun cas. C'est-à-dire, les hommes ont dédaigné, maintenant, nous, on ne déteint plus le Seigneur. Maintenant, nous, on ne fait pas du Seigneur aucun cas. Ça, c'est les autres qui étaient incrédules. Et nous aussi, autrefois, on était incrédules. Mais maintenant, on s'est repenti. On s'est repenti devant le Seigneur. On marche dans la repentance. Et maintenant, on a appris à l'honorer, et à le chérir, et à l'adorer, et à l'aimer. Béni soit l'Éternel. Cependant, ce sont nos souffrances qui l'ont apporté. C'est nos douleurs qui s'est chargée. C'est nos douleurs qui s'est chargé, c'est de tes douleurs qui s'est chargé, c'est nos douleurs qui s'est chargé, et nous l'ont considéré comme puni, frappé, tes yeux humiliés, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est écrit, n'est-ce pas? Ésaïe chapitre 53, il est écrit, nous étions tous errants comme tes brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui. Sur Jésus, le Messie, l'agneau de Dieu. L'Éternel a fait retomber sur lui, et c'était la volonté de Dieu. Vous voyez, longtemps avant que la chose arrive, Dieu a proclamé la chose. Il savait qu'il allait souffrir, que ça allait lui faire mal, mais c'est par amour qu'il a fait. Vous voyez combien est grand la compassion de Dieu. Béni soit l'Éternel. Et Jésus savait ce qui était écrit à propos de lui-même. Il avait l'habitude de le lire, il connaissait, et il acceptait de subir tout ça par amour. C'est pour ça que sur la montagne, il avait dit, Père, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, c'est-à-dire ces souffrances, ces douleurs, si d'une autre façon de les racheter, de les sauver, fais-le d'une autre façon. Père éternel, je me présente devant le trône de ta grâce, mon Dieu. Ne sois pas selon ma volonté, mais que ta volonté soit faite de Jésus qui m'a dit. C'était la seule façon d'être pour lui de nous sauver. S'il y avait une autre façon plus facile, si ça avait été possible pour lui de nous sauver sans avoir à passer par ses douleurs, ses humiliations, ses souffrances, il aurait fait de l'autre façon. Parce que pourquoi souffrir quand ce n'est pas nécessaire? Mais c'était la seule façon. C'est par amour. La Bible dit il était maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, Dieu a dit, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoi qu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point eu de fraude. Il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Il n'y a pas eu de fraude, de mensonge, de tromperie, de tricherie, de fraude dans sa bouche. Mais il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, pour nos péchés à nous, hein. Il verra une postérité. Une postérité, c'est quoi? Tes enfants. Il verra une postérité. C'est pour ça que maintenant, nous sommes ses enfants. Ça, c'est ça, la postérité des enfants. Il verra une postérité. Nous sommes maintenant les enfants de Jésus. Nous sommes sa postérité. Gloire à l'Éternel. Nous sommes ses fils et ses filles. Après avoir livré sa vie en sacrifice, il verra une postérité. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et ses jours ont été prolongés. Il est ressuscité le troisième jour. Voyez-vous, les Écritures disaient qu'il allait mourir, mais il allait ressusciter aussi. Il prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et l'œuvre de l'Éternel est en train de prospérer. L'œuvre de salut, de délivrance de tes âmes, de guérison. Voyez, ça c'est son œuvre. Notre guérison, il est en train de nous guérir. L'œuvre est en train de prospérer. Béni soit l'Éternel, ça réussit. Son travail, ça réussit. Ça porte beaucoup de fruits. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, alléluia, gloire à l'Éternel, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards, par sa connaissance, mon serviteur juste, justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel par la connaissance de Jésus, la connaissance de tout ce qu'il a fait pour nous, la connaissance qu'il nous apporte, il nous a justifié, béni soit l'Éternel, gloire à l'Éternel, il nous a justifié, béni soit l'Éternel, par son sang précieux,
par son sacrifice expiatoire. Gloire à l'Éternel par sa connaissance. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Voici ce que Jésus a fait pour nous. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux ce que Jésus, notre Seigneur, a fait pour nous? Alléluia. Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. C'est pour ça que il est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Alléluia. Béni soit Dieu. Merci Seigneur. Notre confiance en lui nous apporte la santé pour nos muscles et un rafraîchissement pour nos os, selon ce que dit Proverbes chapitre 3, verset 8. Notre confiance en Dieu, en Jésus, nous apporte la santé pour nos muscles et un rafraîchissement pour nos os. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. C'est les paroles de Dieu, c'est la santé pour nos corps. Et c'est une médecine pour notre chair. Les paroles de Dieu, c'est la santé pour notre corps. Et c'est une médecine pour notre chair. Béni soit l'Éternel. La bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ rend nos os gras. Béni soit l'Éternel. Ça guérit nos os. Béni soit l'Éternel. Ça nous donne la vigueur, la santé, la force. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Et un cœur joyeux, c'est un bon médicament. Donc, recevez la joie de l'Éternel. C'est important que vous receviez la joie de l'Éternel. Et que vos cœurs ne soient pas dans la tristesse, dans le chagrin. Mais recevez la joie de l'Éternel, parce que Dieu vous donne la joie, et la joie de l'Éternel, c'est votre médicament, c'est votre force. Donc recevez l'esprit de joie, et dis Seigneur, remplis mon cœur de joie, je reçois ta joie Seigneur, parce que ta joie c'est un bon médicament. Et je refuse, mon Dieu, d'être dans la tristesse et d'être affligé, mais Seigneur, je reçois la joie, je reçois la consolation, je reçois ton réconfort. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, chassez l'esprit de tristesse lorsqu'il vient pour essayer de vous envahir avec la tristesse. Chassez-le au nom de Jésus, parce qu'il vient du diable. C'est l'esprit malin. Chassez-le au nom de Jésus. Gloire à l'Éternel. Béni soit Dieu. Béni soit l'Éternel. L'Éternel donne la force aux faibles. Béni soit l'Éternel. Il augmente la force de ceux qui n'ont pas de puissance. Il augmente la force de ceux qui n'ont pas de puissance. Il renouvelle notre force. Il nous fortifie. Il nous dit qu'il nous aidera. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Jésus a dit qu'il a porté nos maladies. La parole de Dieu dit qu'il a porté nos maladies. Jésus a porté nos douleurs. Il a porté nos douleurs comme on vient de le lire. Il a été rendu malade pour nous, malade par les coups, pas qu'il a été malade pour cause d'un virus qui aurait rentré en lui, mais c'est les coups, les fouets, ça c'est seulement lorsqu'il a accepté de se livrer lui-même entre les mains des méchants. Il a été rendu malade pour nous, malade à cause des coups, jusqu'à en mourir même. Béni soit l'Éternel, mais il ressuscita le troisième jour. Et il a fait par amour, béni soit l'Éternel. Et à cause de la joie, il avait de la joie dans son cœur, même s'il souffrait parce qu'il savait, ce que ça allait lui rapporter. Ça allait lui rapporter beaucoup. Alléluia, il allait sauver des millions d'âmes. Il faisait la volonté du Père. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Béni soit l'Éternel. Jésus a dit qu'il veut que nous soyons purs. Jésus a pris nos maladies. Il a pris nos infirmités, il a porté nos maladies. Béni soit l'Éternel. Il a dit que si on a besoin d'un médecin, il est notre médecin. Si nous sommes malades et qu'on a besoin d'un médecin, il est notre médecin. Il est celui qui nous guérit. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Jésus était ému de compassion envers les malades et il les guérissait. Il est toujours autant ému de compassion envers les malades et il est là pour les guérir par son esprit. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les guérisons n'ont pas cessé. Dieu est toujours là pour guérir les malades. Béni soit l'Éternel. Les temps de guérison sont toujours là pour opérer tes guérisons. L'Esprit de Dieu est toujours là pour opérer tes guérisons. Mais il faut lui demander. Il faut le croire. Il faut demander à Dieu. Il faut s'attendre à la guérison. Il faut reconnaître, il faut croire que c'est la volonté de Dieu. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Et Jésus a dit qu'il en soit fait selon votre foi. Si on a la foi, eh bien, Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de tout faire. Rien n'est impossible à lui. Suffit qu'on ait foi en lui. Béni soit l'Éternel. La guérison, c'est le pain de tes enfants. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 15, verset 26. Béni soit l'Éternel. Il est écrit que Jésus faisait toutes choses bien. Il faisait entendre les sourds et parler les muets. Dans Marc chapitre 7, verset 37.
Béni soit l'éternel, gloire à Dieu. Jésus a dit, si vous pouvez croire, tout est possible à celui qui croit. Si vous pouvez croire, tout est possible à celui qui croit. Dans Marc chapitre 9, verset 23 et dans Marc chapitre 11, verset 23. Béni soit l'éternel, gloire à Dieu. Et Jésus avait dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il avait dit ça aux disciples dans Marc chapitre 16, verset 18. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Parmi les signes, c'était d'imposer les mains sur les malades et les malades seraient guéris. Imposer les mains, prier pour le malade et Dieu guérit le malade. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Il est écrit, Jésus avait dit que, il est écrit dans Luc chapitre 4, que son onction guérit les cœurs brisés et délivre les captifs et que les aveugles recouvrent la vue et ils mettent en liberté ceux qui étaient meurtris. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel et Jésus guérissait tous ceux qui avaient besoin de guérison, n'est-ce pas? Lorsqu'il était ici bas sur la terre, dans son corps physique, il guérissait tous ceux qui avaient besoin de guérison. Et bien maintenant, il est toujours le même. Il continue son ministère par l'Esprit, par le Saint-Esprit à travers le corps de Christ. Gloire à Dieu. Jésus n'est pas venu pour détruire la vie des hommes, mais pour les sauver. Alléluia. Et Jésus nous a donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Il a dit que rien ne pourra vous nuire. Dans Luc chapitre 10, verset 19. Gloire à Dieu. Et Jésus a dit que Dieu a dit que la maladie, c'est un lien de servitude du diable et que nous devons être délivrés des liens de servitude. Père, Jésus est venu pour nous délivrer des liens grâce, du diable, Dieu, des liens de servitude, n'est-ce pas? Père, et nous ne sommes plus captifs du malin. Nous ne sommes plus esclaves du malin. Béni soit l'Éternel. Nous sommes délivrés. Jésus qui m'a dit nous sommes délivrés. Le diable ne termine plus sur nous. Il n'a pas du tout le droit de venir nous faire du mal. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Jésus avait dit qu'en lui, il y a la vie. Et on a reçu l'Esprit de vie. Et en Jésus, il y a la vie. Jésus est le pain de vie. C'est lui qui nous donne la vie. Et les paroles de Jésus sont esprit et vie. On reçoit sa parole. Lorsqu'on reçoit sa parole, on reçoit l'esprit de vie et on reçoit la vie. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance. Il a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, n'est-ce pas? Il a dit qu'il est le bon berger et qu'il est venu pour nous donner la vie en abondance. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Même béni soit l'Éternel, il nous restaure. Au point de vue financier, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Il est venu pour nous donner la vie. La vie, c'est la joie, la paix, l'amour, tout ce qui est Dieu, tout ce qui est bon. Il vient et il nous donne la vie. Et la vie en abondance. Jésus, la résurrection et la vie. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Et il a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Dans Jean chapitre 14, verset 14, il a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, si on demande la guérison, il le fera. Mais seulement, soyons patients. Soyons patients. Si on demande la guérison ne se manifeste pas tout de suite. Sois patient et crois le Seigneur et ne sois pas irrité contre Dieu parce que la guérison ne s'est pas encore manifestée. Mais garde confiance en Dieu comme Abraham. Garde confiance en Dieu comme la mère de Jean-Baptiste. Garde confiance en Dieu. Et en allant, tu verras la guérison se manifester. Tu verras la guérison se manifester. Béni soit l'Éternel. Lorsque Job était malade, il a cru le Seigneur. Il a eu confiance en son Dieu. Et malgré qu'il souffrait, et malgré que dans la souffrance, parfois, il avait parlé d'une façon qu'il n'aurait pas dû parler parce qu'il avait très, très mal. Mais il avait gardé confiance en son Dieu. Il n'avait pas blasphémé le nom de son Dieu. Il n'avait pas maudit son Dieu comme le diable aurait voulu. Le diable aurait voulu qu'il maudisse son Dieu à cause de ses souffrances et de la maladie. Mais il a béni le nom de son Dieu. Et à la fin, Dieu l'a guéri, Dieu l'a restauré et les ulcères sont partis. Il fut guéri de sa maladie et Dieu l'a restauré et même Dieu lui a même retourné les richesses, les perdues. Et Dieu lui a même donné tes enfants après ça. Et il a eu une femme, je ne sais pas si c'est la même femme qui a été restaurée ou bien une autre femme, mais il a eu même tes enfants, 10 autres enfants, dont Dieu fera la même chose pour nous. Cependant, il faut garder la foi. Il ne faut pas le renier à cause de quelques maladies. Il ne faut pas se fâcher contre Dieu à cause de quelques souffrances, à cause de quelques douleurs. Peu importe les souffrances, sois respect sur les gars de ton Dieu. Et quand tu pries à ton Dieu, prie avec respect, prie avec douceur, prie avec humilité. Et garde confiance en ton Dieu et chasse le diable qui voudrait que tu t'irrites, que tu te fâches et que tu sois dans le désespoir, qui voudrait que tu sois déçu de Dieu, désappointé de Dieu. Ne donne pas satisfaction au diable en cela. Ne fais pas ce qu'il voudrait que tu fasses. Il voudrait que tu sois
irrité contre Dieu, que tu te décourages, que tu abandonnes, ne fais pas ça. Garde confiance et tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, c'est Jésus qui nous restaure tout entier. Jésus étendait la main et guérissait les malades et il est encore là, étendant la main par son esprit, guérissant les malades. Jésus faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le malin. Et il est là pour guérir ceux qui sont opprimés par le malin. Et il est là pour chasser les démons. Il est là pour chasser les démons. Et tu as le droit de prendre autorité sur les démons. Si tu sens qu'il y a un esprit malin qui est entré dans ton corps et qui te rend malade, prends autorité, chasse-le. Et va voir aussi les anciens de ton église. Si tu manques de force, et te montre qu'on prie pour toi, que les anciens de l'église prient pour toi, imposent les mains et chassent les démons au nom de Jésus. Béni soit l'Éternel. Jésus a dit que sa puissance cause les maladies de s'écarter de nous. Les Saintes Écritures disent que, béni soit l'Éternel, la puissance de Dieu causait les maladies de s'écarter des malades. Béni soit l'Éternel. La loi de l'Esprit de vie en Jésus nous a rendus libres de la loi du péché et de la mort. Béni soit l'Éternel. Et Jésus a dit que le même esprit, la Bible dit que le même esprit qui a ressuscité Jésus, que Dieu le fait habiter en nous. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Merci Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, merci Seigneur. Donc, Dieu veut te guérir, Dieu veut nous guérir. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. C'est pour ça que Dieu a mis tes dons de guérison aussi dans le corps de Christ. Alléluia, merci Seigneur, béni soit l'Éternel. La Bible dit que il a tout mis sous nos pieds. Dieu a mis tout mis sous les pieds de Jésus. Et en mettant tout sous les pieds de Jésus, nous étant le corps de Christ, et bien Dieu a mis aussi tout sous nos pieds. Il a mis tous nos ennemis sous nos pieds, tous nos ennemis. Et toutes les maladies sont sous nos pieds, c'est-à-dire c'est vaincu. Ça n'a pas de pouvoir, ça n'a pas de puissance contre nous. Béni soit l'Éternel, on va combattre et on a la victoire. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Parce que Jésus nous a délivrés de la mort. Béni soit l'Éternel. Jésus nous a délivrés de la mort, nous a délivrés de l'enfer, nous a délivrés des démons, nous a délivrés de tous nos ennemis. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Et c'est la volonté de Dieu qu'on vive longtemps sur la terre. C'est la volonté de Dieu que tout soit bien pour nous et qu'il vive longtemps sur la terre. Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ce qui est écrit dans Colossiens chapitre 1, verset 13. Gloire à Dieu. Il nous délivre de toutes sortes de mauvaises choses. Jésus a goûté la mort pour nous. Il a détruit le diable qui avait le pouvoir de la mort. Il nous a délivré de la peur, de la mort et de la servitude. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il a dit aussi de prier les uns pour les autres. Et nous serons guéris. Prions donc les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Et Dieu nous guérira. Prions les uns pour les autres. Béni soit l'Éternel. Prions les uns pour les autres. Et Dieu guérira. La prière, c'est puissant, c'est efficace. Intercédons en faveur les uns des autres. Prions en faveur les uns des uns les autres. Et Dieu a promis de guérir. Alléluia. Merci Seigneur. Pas par ses meurtres, c'est sûr, nous sommes guéris. Alléluia. Sa puissance, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Gloire à l'Éternel. Béni soit Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit en bonne santé et qu'on prospère. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse, sachez que Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Que Dieu vous guérisse. Que Dieu vous guérisse, peu importe la maladie, que Dieu vous guérisse de la stérilité, que Dieu vous guérisse des cancers, peu importe la maladie, que Dieu te guérisse. Au nom de Jésus, je prie pour ta guérison, au nom de Jésus, je dis Seigneur, guéris cette personne, Seigneur, et ceux qui m'écoutent, si la main te guérison dans son corps, Dieu, je prie, Dieu, descends ta puissante guérison et guéris, et détruis toutes choses, Seigneur, et ceux qui est entré, s'il y a des choses entrées dans son corps pour la nuire, pour causer du trouble, comme tes virus, comme tes bactéries, des choses de ce genre, détruis, Seigneur, au nom de Jésus, peu importe ce que c'est, détruis, au Dieu, s'il y a du poison, extermine le poison, nettoie son système, purifie-la, sanctifie-la, esprit, âme et corps, au Dieu, et par les tes yeux guéris, au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, relâche ton onction sur elle, et remplis de ton esprit, par les tes yeux, au nom de Jésus, ton enfant qui croit en toi, pour la guérison, au Dieu, au nom de Jésus, béni soit l'Éternel. Amen. Soyez bénis. Bonjour.